Yo les potes, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Tucci. Aujourd'hui, on va donc partir sur une vidéo paramètres Assetto Corsa en 4K. Je vais donc vous donner donc mes paramètres vidéo, mes paramètres du custom shader patch. J'ai fait un peu tout ça à ma sauce. On est à une moyenne d'à peu près 90-100 FPS en 4K. Donc c'est clairement agréable, jouable et en plus c'est beau. Cela dit, avant, donc je jouais en 1080 full ou en 2K. Pour le coup, j'avais fait une vidéo avec mes paramètres en 2K, donc je vous mettrai un petit lien par ici et il sera en description dans la vidéo. Comme ça, si vous avez envie d'y jeter un petit coup d'œil, parce que vous, la 4K, vous ne pouvez pas, mais vous n'avez pas vu cette vidéo. Bref, si vous voulez vous renseigner un peu là-dessus sur mes paramètres que j'avais antérieurement, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Cela dit les gars, j'en profite pour faire un petit coup de pub perso, c'est que j'ai ouvert une chaîne secondaire, donc c'est Tucci 54 Gameplay. Voilà, donc il y a du gameplay Assetto Corsa, évidemment actuellement maintenant en 4K. Donc si vous avez envie de me soutenir, allez y faire un petit tour. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour me soutenir. Et si vous avez envie de mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Comme ça en plus, je vois qui c'est les vrais. Donc maintenant les gars, on va partir pour les paramètres. Et let's go! Bon alors les gars, je vous ai coupé ma cam, c'est histoire que vous ayez un bon visu donc sur les paramètres, qu'il n'y ait pas ma cam qui cache quelque chose, comme ça au moins on part sur quelque chose qui est lisible pour vous. Donc on va aller directement donc dans paramètres,
Voilà, on commence Assetto Corsa vidéo. Donc vous voyez, je suis bien à 96 FPS. Voilà, comme je vous l'ai dit, entre 90 et 100. Bien évidemment, ça dépend de la map, ça dépend du nombre de trafic qu'on y met aussi, du nombre de voitures dans le trafic. Mais voilà. Donc pour le coup, moi je suis en simple écran. Je suis avec un écran donc en 4K qui est en 144 FPS. Moi pour le coup, je limite les FPS à 100 FPS. Je le fais pas monter plus, comme ça si j'ai des drops, eh ben, ça me les laisse à 100 au maxi. Comme ça, j'estime que ça me laisse de la ressource au niveau du PC, admettons, lorsque j'enregistre une vidéo. C'est surtout pour les moments où je record. Donc sinon, si je ne faisais que jouer, bien évidemment, j'aurais pas limité les FPS. Mais si vous voulez faire autre chose avec votre PC en même temps, je vous conseille quand même de les limiter. Cela dit les gars, donc pour la qualité, moi je suis en anti-crenellage donc en 4 fois, filtrage anisotrope en 16 fois, détail de l'environnement j'ai mis maximum parce que ça j'estime que si en 4K il faut que ça soit beau, donc j'ai mis le détail de l'environnement au max. Pour la résolution des ombres, donc j'ai mis en 2048, on pourrait mettre plus mais après on perd beaucoup de FPS si on monte plus dans la résolution des ombres. Pour le coup j'estime qu'il n'y a vraiment pas besoin de monter plus, en tout cas pour de la 4K, contrairement à la 1080 ou la 2K où il y avait vraiment un intérêt de la monter. Là je trouve qu'il n'y a vraiment pas besoin. Pour la génération de fumée, moi je suis en élevé maximum, je trouve que ça fait beaucoup trop de fumée. Pour l'instant en élevé, moi ça me convient complètement. Pour les réflexions, je suis en 2048, donc je suis au max. La fréquence de rendu, je suis en 3 phases par image. La distance de rendu, donc je suis au max à 2400 mètres. Pour ce qui est du post-traitement, donc activer les effets post-traitement, moi c'est donc activé. Pour le filtre, eh ben moi il y a plusieurs filtres, hein, ça dépend de vous. Pour le filtre, ça va pas changer vraiment la qualité quoi. Ça dépend. Pour le coup, on pourrait passer sur du pur parce que j'ai pur, mais j'ai mis le filtre de l'Asmiclan, donc de Asmedi, qui est pour moi actuellement le meilleur filtre. La qualité globale, je suis au max. Qualité de l'éblouissement, j'ai préféré mettre en élevé plutôt que maximum. Je trouve qu'il n'y a pas plus d'intérêt de la monter au-delà de l'élevé en tout cas. La profondeur de champ pour moi elle est en off, flou de mouvement en off, la saturation je crois que je l'ai tout simplement laissé à 100%, les vagues de chaleur pour le coup moi j'aime pas donc je les ai coupées, rayon crépusculaire ça c'est activé, le FXA il est désactivé. Pour les rétroviseurs les gars, la résolution personnalisée que j'ai utilisée moi donc c'est la 256x1024, j'ai pas mis la max parce que quand on est en intérieur, quand on met la max on perd encore pas mal de FPS, donc là c'est vraiment un bon compromis pour avoir un bon rendu dans les rétros. Évidemment j'ai mis en qualité haute. L'Oculus, j'ai pas d'Oculus. Système, là j'ai rien coché. Réflexion du ciel, donc moi je suis à 250%. J'ai essayé à fond, j'ai essayé moins. À fond, c'est vrai que ça brille beaucoup. Pour l'instant, je suis encore indécis sur ma réflexion du ciel. Mais pour le moment, actuellement, je suis à 250%. Ensuite, en dessous, on est à fond. Et pour le saut d'image max, on est au mini. Voilà les gars, pour ce qui est de mes paramètres vidéo. Maintenant les gars, on va aller faire un tour dans le Custom Shader Patch. Donc pour le coup, moi je suis donc avec donc la version 1.80 Preview 346, donc c'est le dernier CSP payant. Alors je vais en profiter aussi pour faire un petit rappel, c'est que ici, si vous allez dans ces car config, car texture, car VAO, track config, track VAO et background, si vous allez sur ces trois petits points et qu'ici, il y a une ligne supplémentaire qui est, je vais dire un chiffre au hasard, 12 entry install, ça veut dire, et avec aussi des petites ici annotations en rouge, là sur la dernière ligne, il faut que vous cliquiez dessus, ça va installer, ça va remettre à jour un peu votre CSP, et n'hésitez pas ensuite à fermer donc votre content et de le rouvrir pour que ça valide. Donc on va descendre ensuite tout de suite dans les extensions, General Patch Setting. Alors, il y a des choses sur lesquelles je vais vraiment pas m'étendre parce que c'est des choses que j'ai pas sélectionné moi-même en testant, mais en attendant c'est ce que j'ai actuellement suite à plein de réglages d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui donnaient des réglages, et j'en ai fait tout ça un peu à ma sauce. Donc pour le coup ici je vais vous laisser un peu checker tranquillement. Donc là on a dans contrôle ici stop AC from using qui ici est activé. Pour le coup ce qui est en orange moi c'est ce qui est changé hein, pour le coup. Ensuite on a ici AdSense Daily with Distance, mais ça doit pas changer sur la qualité. Ici Shadow Effective Surface Température, il est actif. Ensuite dans Replay Tweak, on a Clip Duration 120 secondes. Ensuite qu'est-ce qu'on a plus bas? Ici Use Sleep Instruction, dans FPS Limiter Option, il est désactivé. Break Disk FX, il est tout simplement actif. Car Instrumentation, c'est actif, tout est actif, ici c'est aussi actif.
Chaser caméra. Donc moi, je suis en Kirby Cam qui est actif. Chat Shortcut, ça, c'est actif, mais en fait, je m'en sers pas. Color Shadowing, c'est actif. DJI, moi, il est pas activé. ExtraFX, alors là, l'extension donc est active. Le Motion Blur, pour moi, il est activé. Moi, je l'ai mis, je l'utilise. Moi, ça, cette impression de vitesse me plaît. Elle est même en medium avec une amount of blur à 85%. Ensuite, un peu plus bas, donc local réflexion. Ici, en qualité, je suis en hide hold. Un peu plus bas encore, ambient occlusion, donc elle est active avec une opacité à 100%. Ici on a la résolution, donc dans volumétrique et light, résolution 32%, donc on est au max. J'ai oublié juste au-dessus là, dans temporal anti-aliasing, on a extra sharpness qui est à 90%. Ensuite, fake shadow FX, donc l'application est active. Visual permanence, opacity, on est à 150% à fond. Ensuite, on est en dynamic light, shadow, ça c'est activé. FFB Twix. Donc ici, qu'est-ce qui a été changé? Output Real Steering Force with Wheel. Donc c'est actif avec Wheel Peak Torque à 3,2 Nm. Donc là, je crois que c'est en rapport... Oui, alors ça en fait c'est 3,2 Nm. Ça c'est par rapport à mon volant qui fait 3,2 Nm. Donc je l'ai mis à cette force. Ensuite au niveau Output Real Pressure from Pedals Active. Donc on est au max, pédale 25... Max pedal force, ouais, 25 kg. Bon, ça, j'ai pas dû changer, je sais pas trop. Ensuite, Fear Camera. Donc, qu'est-ce qui a été changé ici? Donc, on a FOV Speed à 0,3, FOV Lag à 30%. Le reste, normalement, n'a pas été touché. Gamepad FX, il n'y a rien qui a été touché. Graphic Adjustment. Donc, l'extension est bien active. Adaptive Clip Plane, ici. Donc, on a Near Plane à 0,1,50. Me demandez pas pourquoi les gars, j'en sais rien, mais en attendant, ça rend bien. Fairplane, on est à 200 000, 30 000. Ensuite, pour le mode Processing Anti-Aliasing, ici au mode, j'ai pris donc le CMAA 2.0 by Intel 2018. Donc ensuite, si on descend, normalement, rien n'a été changé. Ensuite, pour le Grass FX, donc ici, l'application est active. On est en qualité height. Ici, les trois cases sont cochées en bas dans le rendering option. Dans Guy. Alors, dans Guy, qu'est-ce qu'on a mis? Alors, qu'est-ce qui a été changé? Donc, on a le New Pose Menu, qui moi j'utilise. Après, ça, c'est vraiment à vous de voir. Lighting FX. Donc, l'application est active. Brightness, on est à 150%. Il est possible que ça change à l'avenir. Il faut qu'il y ait encore un petit truc qui me gêne quand je joue. Mais pour l'instant, on est à 150%. Dans les performances, Car Casting Light, on est à 40K. Dynamic Shadow, on est actif. Car Wish Shadow, ici, on est donc à fond. Detailed Car Shadow, on est sur 3K. Voilà, ici pour ce qui est du Lighting FX, Logitech, j'utilise pas de volant, Logitech c'est un Thrustmaster. Neck FX, donc l'application est active aussi. Effet de gain, on est à 0. Ensuite on a donc Steering dans Direction Alignment, donc j'ai Velocity Inverse Tilt qui est actif. Steering Inverse Tilt qui est aussi actif. Ensuite on a Tilt Wiz X GeForce, on est à moins 65%, donc on est au mini. Dizuiz Z GeForce, on est à 25%. GeForce Influence Maximum Offset, donc on est à 0,1 mètre. Fast Response Folding Lag 83%. Shadow Response Speed, on est à 2,2, 1,5. Ensuite Fast Response Multiplier, moins 0,05, moins 0,15 et moins 0,15. Fast réponse fending lag, donc 83%. Ah, ça, je l'ai déjà dit avant. Ok, slow réponse gain, on est à moins 0,12, 0,15, 0,4. Voilà pour ce qui est donc du Neck FX. Alors, pareil, le Neck FX, je suis parti d'un tuto, enfin bref, d'une vidéo qui était vraiment dédiée au Neck FX. J'en suis satisfait comme ça, à vous de voir. En tout cas, les gars, je vous fais un petit rappel. N'hésitez pas à sauvegarder avec un autre nom de paramètres. Comme ça, si mes paramètres ne vous conviennent pas, vous n'avez pas changé vos anciens paramètres. Et surtout, ne sauvegardez pas sur vos anciens paramètres. Il se pourrait quand même que ça ne vous plaise pas. Ensuite, New ABVR.
Là, qu'est-ce qui a été changé? Trop rien, l'application est active. Ici, on a All Retirement Setting qui est coché, donc avec Get to the Race After Going to Pit. Ensuite, on redescend plus bas, donc No Loading Screen. Bon, ça change rien à la qualité, mais c'est pas grave, on va faire quand même tous les petits onglets qui sont ici. L'extension est active, Fade in Smoothie, Slideshow c'est actif, Change Picture, on est au mini à 5 secondes. Dans Where to Look for Background, les deux premières ici sont décochées. Celle d'ici, Use Track Image from Favorite, c'est aussi décoché. Ensuite, Nice Screenshot. D'ailleurs, en parlant de screenshot, les gars, n'hésitez pas peut-être à faire pause sur la vidéo sur chaque onglet. Comme ça, vous pouvez voir clairement les paramètres, comment ils sont. Comme ça, vous pouvez prendre votre temps. N'hésitez pas franchement à faire des pauses ou à faire des screenshots pour le coup. Donc là, Nice Screenshot. Qu'est-ce qui a été changé? JPEG Quality, donc on est à 100%. Ensuite, on a dans Accumulation AA Extra Sharpening, on est à 30%. Et un peu plus bas, dans Accumulation Motion Blur. Là je sais, c'est coché, c'est pas coché, non, ok, c'est pas coché. Ah oui, donc là je suis pas actif. Ah oui, c'est pour le replay, donc là on n'est pas actif. Shutter speed, on est à 8 ms, donc particules fixes pour le coup ici. Donc qu'est-ce qui est coché, pas décoché? New smoke actif. Use Culling to improve in performance, ça c'est décoché. Draw Shadow and Particle, ça c'est coché. Reduce Shadow Map to, on est en 512x512, on est donc sur le dernier. On a aussi donc dans New Smoke and Dust, le Use Culling to improve performance qui est décoché. Ici un peu plus bas sur la droite, on a Clip by Glass qui est coché. Dans Fireworks, moi je les ai désactivés. Solid Piece Dirt Butts, là c'est désactivé. Juste en dessous, Initial Day Breaking Trail, Brighter with Break qui est coché. Maintenant dans Rain FX, donc dans Rain FX, Racing Line, donc c'est actif. Je suis en Medium. On est en Large Drop et Small Drop, donc Large Drop pour First Person View. On est en Chase Camera, on est en Small Drop. Large drop. Ensuite, on est dans réflexion FX. Donc là, l'application est active. Je pense que je n'ai rien touché. Mais une résolution, on est en 512x512. C'est le recommandé. Shadow Wheel, actif. Il n'y a rien à y faire. Sidemark FX. Qu'est-ce qui a été fait? Donc Maximum Amount of Bits, on est à 300K. Advanced Blending, qui est activé. Ensuite, dans Smart Mirror, donc on est actif. On est dans Custom Render Distance actif. Custom Render Distance à 1200 mètres. Plus bas, Real Mirror actif. Un peu plus sur la droite, Enable Real Mirror If Car Focused qui est actif. J'ai décoché donc No Sunlight in Interior. Smart Shadow. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On est en extérieur FOV gain à 65%. On est en Disable Car Shadow ici. Donc, on a décoché For Interior View. Task Bar. Donc là, il n'y a rien qui a été touché. Track Adjustment. Donc, Track Extra. Donc, c'est décoché pour Allow Seasonal Adjustment. On a coché donc Trees Saving Per Vertex Shadow. En dessous, dans Crew, on a Hide Crew in Practice Mode. Bon, tout ça, il y a des choses qui ne changent pas franchement les paramètres graphiques. Hein, mais au moins, voilà, on a fait le tour de ce que j'ai. Tire FX, donc c'est juste actif. Weather FX, bon là, pour le coup, mon script, donc c'est pur. Force Holy Light qui est activé. Increased Cloud Shadow Resolution qui est activé. Admirage Like Reflection qui est aussi activé. Voilà pour ce qui est de Weather FX, Windscreen FX. Donc ici, on est en Random Coefficient 85%. Website qui est actif. Default First Person View Option. Donc Disable Apparent Glare qui est désactivé. Ici, c'est désactivé. On est actif ici. Ensuite, un peu plus bas, là, c'est pas Triple Screen. VR, tout ça n'est pas activé. Musique ici. Donc là, ici, tout est activé. Small Tweaks. Ici on a Turn Driver In qui est donc activé, et sinon on n'a rien d'autre. Je vais refaire un petit tour au cas où dans les principaux onglets, donc dans Weather FX, c'est un onglet principal, des fois que j'ai oublié quelque chose, et non, je pense n'avoir rien oublié ici. Ensuite on a Reflection FX,
Donc là, je n'ai rien oublié. Rain est fixe, donc je n'ai rien oublié. On est bien en médium, je vous l'avais dit. Un peu plus haut, graphic adjustment. Je pense que là, j'ai dû oublier de descendre. Hein, j'ai oublié de vous dire qu'ici, en qualité, donc je suis en height, en extra sharp. Un peu plus haut, on n'a rien oublié. Admettons AMD, bah moi, il n'est pas actif, donc là, ça ne marche pas pour l'Ultra Quality AMD Fidelity FX Super Resolution. Donc comme il n'est pas activé ici, ici, ça ne prend pas en compte. Fire Camera, Extra FX, est-ce que j'aurais oublié quelque chose par là? Donc non, on est en height, en hold, je vous l'ai dit tout à l'heure. On remonte un petit peu plus haut, pas de General Setting, est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Non, je ne pense pas vraiment avoir oublié quelque chose. Donc les paramètres du Custom Shader Patch, c'est important sur surtout ses principaux onglets, surtout c'est sur l'onglet donc Weather FX qui est important de mettre pur, sur Graphic Adjustment qui est important de mettre le SMA Intel 2018. Après la qualité, moi j'ai mis en height, mais on pourrait mettre en ultra, mais là pour le coup encore je perdrais encore un peu. Il est possible, pour l'instant je suis encore en pleine recherche de vraiment optimiser mieux, mais là j'en suis quand même très content, donc c'est pour ça que je vous partage mes paramètres. Dans le Extra FX, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Il n'y a rien de plus à dire. La qualité donc du motion blur, je vous l'ai dit, c'est en medium. J'ai essayé en low. Ouais, je trouve qu'en medium, c'est vraiment pas mal. Hein. En height, j'ai pas essayé parce que je vais perdre encore plus de FPS, c'est certain. En medium, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Évidemment, si vous perdez des FPS, si vous avez vous manquez de FPS, n'hésitez pas, mettons avec une 4070, n'hésitez pas peut-être ici à mettre le motion blur ou en low ou en off, c'est-à-dire vous ne l'activez pas, vous allez gagner en FPS, clairement. Ensuite un peu plus haut, non, bah après on est pas mal hein. Donc voilà les gars pour ce qui est donc des paramètres donc du custom shader patch. On a fait donc les paramètres vidéo juste avant, donc je vous le répète, n'hésitez pas ici à faire sauvegarder. Voilà, ici vous remontez un autre nom, comme ça vous faites un autre dossier donc de sauvegarde pour ce qui est donc du CSP, pour ce qui est aussi donc du coup des paramètres vidéo. Vous faites aussi une sauvegarde avec un autre nom, comme ça au moins si ça ne vous plaît pas, vous pourrez toujours revenir en arrière sur vos anciens paramètres. Voilà les potes, maintenant que je vous ai donné donc mes paramètres donc vidéo et du custom shader patch en 4K, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Si vous avez aimé donc cette vidéo et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas avec le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait plaisir, la cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties vidéo. En attendant les gars, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, je réponds évidemment à tout le monde. Si vous voulez des conseils, j'y réponds aussi. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit comme. En attendant les amis, moi je vous fais des bisous, portez-vous bien, ciao ciao.